Okay, keep going to the top. Sa structure à deux volets de marche rappelle certaines esquisses de Léonard de Vinci. Prouesse technique et artistique, il est mis en scène au cœur du dispositif architectural. Prolongeant l'escalier, la tour lanterne s'élève à plus de 50 mètres de hauteur. Son sommet est orné de la fleur de lys des rois de France. La cage à jouer et le noyau creux ont une fonction de jeu et d'apparat, voir et être vu sans se croiser. À l'intérieur de la cage, les chapiteaux sont ornés de personnages, d'animaux fabuleux, de cornes d'abondance, de fleurs et de fruits. Le visiteur qui gravit l'escalier découvre sur les voûtes du deuxième étage une profusion de salamandres et de elfes, emblèmes de François Ier. Il accède enfin aux hautes féeriques des terrasses au décor Renaissance, où lucarnes, souches de cheminées, tourelles d'escalier, se découpent dans le ciel à la manière.